Je suis parti au cinéma voir l'avant-première du film Dragon Ball Super Super Hero et je vais vous donner mon avis avec les points positifs mais également négatifs. Les flashbacks Dragon Ball Z dans 2D réalisés par la Toei qui nous prouvent qu'ils sont capables de nous faire des masterclass. Mais ensuite, tout a foutu le camp avec cette fameuse CGI. Alors certes, la CGI n'est pas dégueulasse, mais entre la 2D qu'on a vue avec les flashbacks et la CGI du film, eh bien mon cœur de fan penche beaucoup plus pour le coup de crayon en 2D. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir basé essentiellement ce film sur le duo Gohan et Piccolo avec Goku et Vegeta en retrait, car on n'a pas forcément besoin d'avoir Goku et Vegeta pour kiffer l'univers de Dragon Ball. Malheureusement, tout ça a foutu le camp également avec des transformations en veux-tu en voilà qui sortent de nulle part. Trop de fanservice tue le fanservice. On a également eu le retour de Cell, enfin pas tout à fait, car là il s'agit de Cell Max. Quand tu veux faire du fanservice, fais-le bien jusqu'au bout. Dans ce cas-là, fais-nous revenir le Cell que l'on connaissait dans Dragon Ball Z. Au moins, mon cœur de fan pour la nostalgie aurait peut-être kiffé. Partagez cette vidéo et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez kiffé ou non ce film.